Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on se retrouve sur Gran Turismo 7, sur la Daily Bay, encore une fois sur Suzuka. Je vous l'avais dit que j'essaierais de faire une autre course. Je l'avais fait, comme vous avez pu le voir, avec la Toyota, et je vous avais dit que j'avais retenté avec la Chevrolet. Donc la voici, on part en 11e position. Alors, clairement, le level, il a monté, mais d'une force. Parce que là, même des rambées, alors je sais pas si c'est des deuxièmes comptes, des premiers comptes, je ne sais pas. Mais même des rambées tournent en 1,58, 1,57, 1,59. C'est un truc de fou furieux. Le level sur Gran Turismo a augmenté. Dans un sens, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est très bien que le level augmente. Comme ça, il y a beaucoup plus de... Par contre, lui, il est passé, j'en ai rien à faire que tu sois là. Je me sers de toi pour tourner, mais voilà. Après, j'avais laissé la porte ouverte, je dis pas le contraire. J'avais laissé un peu la porte ouverte. Mais ouais, non, le level, il a monté. Voilà. Après, c'est bien pour la concurrence, hein, c'est très bien. Mais c'est chiant, parce que maintenant, il faut être beaucoup plus performant pour performer maintenant. Allez, là, du coup, vous voyez la différence entre la Chevrolet et la Toyota, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'elle tient beaucoup mieux la route par rapport à la Toyota. Elle part beaucoup moins du train arrière, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus stable. Elle est vraiment appuyée sur ses quatre pneus. Et la fameuse chicane. Et là, on me dive-bomb, mais de très loin, c'est fusion l'anglais. L'allemand qui s'est crashé aussi. Du coup, je gagne. Je me retrouve 12e. Bon, je tiens à signaler que Fusion il s'est excusé en fin de course, donc voilà, c'est pas si grave que ça. Là au loin ça sort encore, ça sort beaucoup hein, en ce moment sur la piste. Alors on va essayer de rattraper l'italien. Bon, sur le coup j'ai râlé, hein, je dis pas, hein, sur le coup j'ai râlé, hein, mais après bon. Voilà quoi, que voulez-vous que je fasse? C'est fait, hein, c'est comme ça. Hein. Là, par contre, des pénalités, j'en reviens toujours pas. Que maintenant, on peut sortir de la piste, mais sans se faire pénaliser, quoi. Allez, on a rattrapé le groupe. On a mis 2 secondes à l'espagnol derrière. Donc on va essayer de faire quelque chose. Je donne un petit bisou, l'italien qui essaye de regarder sa voiture. Je ralentis pour le laisser passer, mais je vois qu'il veut pas. Bizarrement. J'ai vraiment levé le pied pour le laisser passer, parce que clairement c'est de ma faute, hein, clairement. Je suis arrivé peut-être pas un poil trop vite, parce que je suis arrivé. Mais j'ai peut-être mal anticipé. J'ai mal anticipé le freinage de l'italien. Et du coup, je lui ai fait un petit bisou sur le pare-choc arrière et je l'ai envoyé un petit peu au loin. Et j'ai voulu ralentir tout de suite pour dire que, vas-y, parce que j'ai vu qu'il partait pas en tête à queue, donc je me suis dit, vas-y, qu'il repasse, mais il est jamais repassé. Et pour être honnête avec vous, en fin de course, je me suis excusé envers Ferry Narga. Et même lui, il s'est demandé quoi? Il dit, pourquoi? Il s'est demandé pourquoi je m'excusais, en fait. À mon avis, il n'a pas senti ou il n'a pas pris conscience que je lui avais fait un petit bisou. Il a peut-être cru qu'il avait perdu la voiture seul. Chose que non, c'est clairement de ma faute. On a déjà mis 3 secondes à l'italien. On se rapproche de la BMW de Evil. La BMW porte bien le nom du pilote, Evil. Si vous regardez bien à l'arrière... Ça fait peur. Elle est pas mal hein, sa livrée hein, en vrai. Ah, vous voyez comment je coupe les vibreurs, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, je me sens beaucoup plus à l'aise avec la Chevrolet. Hein. T'as beau faire. Hein. Allez, on va essayer de mettre une petite pression en se décalant. Il protège la position. Je vais montrer à l'intérieur. Bon, ça ne fonctionne pas, quoique.
Allez, quelqu'un est parti dans... en tête à queue. Du coup, je récupère la 10e place. Pas de français aujourd'hui, tiens, j'ai pas recroisé un seul français. Après, c'est peut-être la fatigue aussi, hein, cumulée, qui fait que voilà, je dors pas beaucoup en ce moment parce que j'essaye de vous proposer des vidéos, d'enregistrer le maximum de vidéos pour que vous puissiez avoir des vidéos tous les jours lors des vacances. Que je puisse. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je vais partir 2 semaines. Enfin, je vais partir. Je vais avoir 2 semaines mes vacances, mes enfants. Putain, j'ai du mal, hein. Mes enfants, donc du coup, au mois d'août, je les ai déjà eu au mois de juillet, là, je vais les avoir 2 semaines au mois d'août. Donc, du coup, forcément, je ne tourne pas de vidéos, je ne joue pas. Donc, du coup, j'ai enregistré des vidéos justement pour vous donner du contenu. Donc, il y aura peut-être 1 ou 2 jours où il n'y aura pas de vidéo. En plus, je vous prépare une autre vidéo aussi. Là, elle est un peu plus longue, donc du coup, c'est... Voilà, c'est... Les vacances tombent mal, mais bon. Tant pis, je le ferai après, c'est pas grave. Je sais pas si la vidéo elle a déjà été faite, si quelqu'un a déjà pensé de la faire, mais voilà, on verra. De toute façon, je vais la faire. Et on verra bien. N'oubliez pas, hein, le petit like, le petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner, de venir me suivre en live sur Twitch, parce que je vais refaire du Gran Turismo sur Twitch, des salons abonnés. Je vais peut-être faire aussi du Forza, du LMU, même si en ce moment je fais du FA Manager. Mais voilà, ça aide vraiment la chaîne à grimper. Ça m'aide financièrement, je vais pas vous le cacher. Hein, par mois, j'ai pas grand-chose, j'ai moins de 100 balles qui rentrent dans les poches. Grâce aux vidéos, mais au moins, voilà, ces sous-là, bah, ça permet de payer le PS Plus par mois ou un jeu, tu vois, donc du coup, pour pouvoir faire des vidéos dessus. Du coup, voilà, c'est grâce à vous, tout ça, c'est... Donc voilà, continuez comme ça. Je vous remercie pour tous ceux qui regardent les vidéos. Mais n'oubliez pas, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo, mais qui ne sont pas abonnés, donc si tout le monde pourrait s'abonner, ça serait magnifique. Et vous pouvez toujours me soutenir aussi via la chaîne. Ça serait vraiment quelque chose de très bien. Je vise les 20 000 abonnés. Voilà, comme ça, moi, si je peux trouver d'autres partenariats et tout, bah, je pourrais vous en faire profiter. C'est ça aussi qui est le principe. Ce que j'ai toujours fait, de toute façon. On le voit, hein, que je tombe beaucoup mieux quand même. Hein. On le voit bien. Hein. Je vais pas répéter ce que j'ai dit à la vidéo où ce que j'étais avec la Toyota. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir ce que je pense de en ce moment de Gran Turismo, des pénalités absentes, etc., etc. Mais je vais pas le redire encore une fois. Allez, on va entamer le dernier tour. Toujours 10e à 2 secondes 7 de l'italien, 1 seconde de l'anglais. Ils sont pas loin devant. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes devant moi. On ne sait jamais. Hein. Il suffit qu'il y en a un ou deux qui se crash, ils gagnent 2 positions. Et ça s'est déjà vu, même par moi, ça s'est déjà vu que je me crachais au dernier virage, au dernier tour. J'espère sincèrement que quand ils vont faire Gran Turismo 8, ou peut-être un spin-off, un autre format comme ils ont fait pour le sport, hein, parce que beaucoup de personnes pensaient que c'était le 7 alors que non.
Mais voilà, s'il faut un autre jeu à part, j'espère vraiment qu'ils vont revoir tout leur système de course, leur système de pénalité, leur système de gameplay, leur système de... leur graphisme aussi, parce que le jeu est certes très beau, franchement je dis pas le contraire, mais il y a... ça fait un peu trop jeu vidéo, j'ai envie de te dire. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait trop jeu vidéo, mais il est très bien, hein, le jeu. Franchement, moi j'adore les graphismes. Hein. Mais voilà, qui améliorent un peu le... qui changent complètement le Gran Turismo, quoi. Le concept de Gran Turismo même. Et là, dernière chance. Non, ça bougera pas. Du coup, on va terminer en 10e position. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que cela vous a plu. Vous savez quoi faire. On se donne, quant à nous, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao tout le monde.